Chers frères et sœurs, bonjour, son plaisir pour nous commencer avec vous matin qui c'est mardi 18 juillet pour nous capables ensemble étudier le son école sabbat. Nous invitons BCT tout pour nous capables prier. Éternel Dieu, Papa nous qui dans ciel là, merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu pour une nouvelle journée qu'on accorde nous. Merci Seigneur Dieu parce qu'on peut nous dormir, on peut être que nous lever. Alors que nous allons étudier le son école sabbat matin, qu'on capable imprégnez-nous de cet esprit de manière à ce que nous capables comprendre et mettre en pratique tout ça que nous pourrons étudier. Avec nous, dirigez-nous, nous pas bon pas dit, nous prions conseil au nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore une fois, chers frères et sœurs, nous avons étudié leçon 4 là, qui est pour titre comment Dieu nous vient au secours. Eh bien, pour journée mardi 18 juillet, à titre leçon, c'est ressuscité, élevé et exalté avec Christ. Ressuscité, élevé et exalté avec Christ. Eh bien, yo commencé leçon en matin avec texte, un texte que yo lis qui c'est Éphésiens 2 verset 4. Yo dit mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé. Mais bon Dieu lui-même est riche en miséricorde à cause de grand amour que lui remet nous. Eh bien, yo dit nous avec deux mots puissants, mais Dieu Paul passait de portrait triste de vie passée auditoire, à savoir Éphésiens, à une nouvelle réalité qui remplit espoir qui marquait la vie croyant. C'est-à-dire que c'est en transition que nous voyons dans le texte. Dans Éphésiens 2a, et à partir du verset 4, nous voyons transition. Paul passait en transition. Et nous voyons que côté que il t'a parlé de qui Jean que hier nous t'ai qui Jean que les hommes eux-mêmes étaient rebelles et que avant que ont rencontré Jésus eux-mêmes ont à vivre selon convoitise de chair yo. Mais qu'on y a là lui dit nous lui a parlé nous de la miséricorde de Dieu lui montrer que et nous-mêmes qui convertis qu'on y a là nous gagnons une nouvelle réalité et réalité ça lui remplit nous avec l'espoir en tant que croyant. Li pose une question. Yo pose une question dans le son là, yo dit en quel sens les croyants participent-ils à la résurrection, à l'ascension et à l'exaltation de Christ? À quel moment cette participation a-t-elle eu lieu? Eh bien, titre leçon aujourd'hui c'est ressuscité, élevé, exalté avec Christ. Est-ce que nous-mêmes nous montons dans le ciel là avec Christ? Est-ce que nous élevés avec Christ? Eh bien, c'est réponse ça que nous va joindre là. Eh bien, yo, ba nous comme texte pour nous lire Éphésiens 2 verset 6 à 7. On nous lit l'ensemble avant nous garder commentaire que yo fait dans le son. On nous lit texte avant Éphésiens 2 verset 6 et 7. Qui ça dit? Il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de monter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. OK? Ça c'est texte en sortie. On regarde maintenant qui commentaire que vous faites dans le son matin. Je dis nous notons que Éphésiens c'est une lettre qui imprégnée de Christ. OK? Lettre Éphésiens sont témoignage de Jésus-Christ que lié. OK? Et il souligne tout la solidarité des croyants avec Christ. Je dis dans Éphésiens 2 verset 5 et 6, Paul lui étonne thème ça au moyen de trois verbes. OK, trois verbes composés pour capable faire nous comprendre vérité ça, belle vérité ça selon laquelle initiative bon Dieu yo et nous-mêmes nous participer là-dedans yo. Nous-mêmes croyons nous participer à des événements importants de l'histoire du salut centré sur le Messie à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire que souvent nous qu'on a chanté chanter ça, nous qu'on a chanté les gain baptême, nous qu'on a chanté mort avec Christ une mort volontaire. OK? Je vis pour lui encore sur cette terre. Ça veut dire que même je titre leçon dit nous ressusciter, élever et exalter avec Christ, et bien là même accepter Jésus ou plonger dans les eaux du baptême, c'est comme si c'est mourir ou mourir. Et leur levé dans la loi, c'est ressuscité. OK? On allait, on nous continuait. Et nous faisons un petit commentaire ça pour capable comprendre.
on a regardé qui ça dit dans le sang. Il dit nous, les croyants sont premièrement ressuscités avec Christ. Deuxièmement, élevés avec Christ. Eh bien, Paul utilisait probablement et verbe ça pour indiquer la participation des croyants à la à l'ascension de Christ au ciel. OK? Ensuite, troisième et verbe li utilisé assis avec Christ. Eh bien, dans les lieux célestes. Ça signifie que les croyants ont participé à l'intronisation de Christ sur le trône du cosmos ou bien sur le trône de l'univers. Et ensuite, il dit, ils sont exaltés avec Jésus. Eh bien, il dit, nous, pour apprécier la puissance du raisonnement de Paul, ça dit, tout ça, Paul dit là, yo, faut nous capables bien permettre que l'Esprit de Dieu permette que nous comprenne. Parce que sinon, on ne crée comme ça. Bon, Jésus dans le ciel là, mais est-ce que dans le ciel là, ça avec lui? En nous essayer de comprendre. Eh bien, pour nous capables de comprendre, nous devons retourner dans Éphésiens 1er, verset 19 à 23. OK? Nous devons retourner dans verset Éphésiens 1er, verset 19 à 23. En nous lit texte ça ensemble. Éphésiens 1er, verset 19 à 23. En nous garder, qui ça lui dit? Verset 19, il dit comme ça, et quel envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Pas oublier que une explication que me toujours baille, c'est que et Jésus dans le ciel là certes. OK. Mais nous dans le ciel ensemble avec lui. Qui j'en nous dans le ciel avec lui? Parce que lui là en tant que représentant nous. OK? Yon moun qui représente, c'est comme si tu es là. On prend par exemple yon papa qui pour aller dans réunion, nous connait ça, qu'on fait par exemple et qu'on y a réunion des parents, mais papa pas qu'à la réunion hein, mais réunion a fait pour yon un petit moun yo, papa gen doit gen trois petits moun, gen un qui pi grand qui gen doit gen fini l'école déjà, en pi gen deux autres petits petits. Voilà papa pas qu'à la réunion des parents. Ça le fait, il voyait pi grand pour assister réunion pour ti frère ti seul là, mais pi grand qui allait en qualité de représentant de papa. C'est de même Jésus-Christ lui-même il là auprès du Père en tant que représentant pour nous-mêmes. Et bien c'est comme ça pour nous comprendre. Pas oublier qu'est-ce nous c'est le corps de Christ. C'est ça que verset 23 se dit nous là dans Éphésiens 1 verset 23. Puisque nous c'est corps de Christ, eh bien toute action que lui m'a fait dans ciel là, eh bien nous sommes capables de dire que lui même lui c'est tête là, nous même nous c'est l'église là, nous c'est corps là. Ça veut dire nous pas et dissocier de lui même. Ça veut dire que si nous te comprendre dimension que l'église bon Dieu gagne, ou t'a connait qui est souillé parce que ou fait partie du corps de Christ. Ça veut dire que Christ en tant que représentant auprès du Père, ou même en tant que bras, en tant que pied, en tant que bakone et douette, en tant que et tout reste parti quoi qui a exercé, qui a travaillé de manière à ce que tout quoi qui c'est l'église capable fonctionner. Donc c'est comme ça pour nous comprendre. En nous garder à présent qui ça a dit nous dans le son, qui commentaire que il fait. Eh bien, il dit nous et je ne saute le texte, Éphésiens 1 verset 19 à 23. Eh bien, ça rappelait nous la mort de Jésus, sa résurrection, son ascension, c'est-à-dire qu'il a monté dans le ciel et qu'il a tout exalté. Je dis nous, Christ lui-même a remporté la victoire sur toutes les puissances du mal. OK?
et puissance ça même qui t'a dominé autrefois la vie des croyants. De la résurrection, l'ascension et l'exaltation de Jésus, pouvoir ça yo, bien que toujours actif sur la terre et qui a menacé encore et l'existence humaine, yo complètement et vaincu. C'est ça l'air yo yaptan. C'est-à-dire que puissance ça yo yo vainc déjà. Yo seulement aptan condamnation d'ailleurs pas gain sauvé pour encore. Pas gen sauvé pour Satan avec acolyte li, c'est seulement tant y a tant Jésus retourné pour capable anéantir à jamais. Eh bien nous voit que je dis nous réalité a changé avec l'exaltation de Jésus. Eh bien les croyants eux-mêmes, yo pas de simple spectateur de événement ça yo, mais yo personnellement et intimement impliqué dans ça qu'a fait là. C'est ça nous dit là. Le Christ c'est l'église, c'est le corps de Christ. Ça veut dire que on rôle que abjoué, c'est pas de spectateur que nous y est, chers frères et sœurs, mais nous on rôle n'abjoué. Je dis nous le fait que nous ressusciter, élever et exalter avec Jésus, ça ouvre une toute nouvelle possibilité, un éventail de possibilités pour nous. Nous gain le droit et de passer d'une existence dominée par les démons à une vie d'abondance spirituelle et de puissance en Christ. Selon 2 Timothée 1 verset 7. C'est belle bagaille. C'est bien pour nous connaître ça. C'est un réconfort pour nous connaître que il y a puissance dans l'Éternel. Il y a puissance, chers frères et sœurs. Je dis nous, c'est pas car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1 verset 7. C'est pas un esprit de timidité non que Jésus ba nous. C'est pas un esprit de timidité non que bon Dieu ba nous. Mais son esprit de force, d'amour et de sagesse pour nous capables remplir mission nous, à savoir prêcher l'évangile pour un maximum de monde capable de sauver. Je dis, je pose une question, je dis comment les versets étudiés aujourd'hui nous aident à comprendre, nous aident-ils à comprendre ce que dit Paul ici? Eh bien, verset ça, oui, ils aident nous comprendre. Ils aident nous comprendre que, eh bien, et l'exaltation de Jésus, c'est et une plus belle bagarre qui gagne pour nous-mêmes chrétiens. Il fait nous comprendre que nous pas des spectateurs, mais nous des participants. Nous a participé dans mission. Nous a participé dans et tout ça qui a fait pour le salut de l'humanité. Parce que ou même que bon Dieu, ou même que Jésus fin sauvé, ou même tout fois contribuer pour yon l'autre capable sauver. Faut al contribuer tout pour yon l'autre capable connaître Jésus. Gen yon monde qui peut ko convertir, c'est ou même qui pou parler ensemble avec lui. Des fois, chers frères et sœurs, c'est ça qui fait là, ouais. Bon Dieu bon yon opportunité. Nan travail ou al bon yon opportunité ou gen chance pour parler ensemble avec yon monde de Jésus, pas hésiter. Sou pa joine ça pou di, le Saint-Esprit lui-même la met parole dans bouche ou. Et s'il le faut pour être bouche fermée pour le Saint-Esprit parler. Pour être bouche fermée pour moun sali même à travers comportement pour lui venir à Christ, la venir à Christ. Ça veut dire que bon Dieu lui-même utilise tous les moyens. Des fois c'est parler, il fait le parler, il fait nous parler. Des fois c'est agir, il fait nous agir. Des fois nous rester bouche bée et puis nous voit que monde converti. Il suffit que nous toujours laisser nous guider, guider par l'esprit à travers comportement nous. À travers paroles qui absorbent dans bouche nous, parce que c'est toujours des paroles de grâce qui absorbent dans bouche nous, des paroles assaisonnées de sel. Nous pas pral parler même gens avec les fils de la rébellion. Nous pas pral parler même gens à monde qui par contre bon Dieu. Mais nous pral parler avec des monde qui ressuscité, qui exalté ensemble avec Christ. Et bien, c'est comme ça que nous présentons le son matin. Nous invitons à fermer les yeux pour nous capables de prier. Éternel Dieu, papa nous qui n'est celle-là. Merci parce que vous permettez que nous prenons part au plan de la rédemption, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, nous capables de mort ensemble avec Christ. Nous capables de ressusciter ensemble avec Christ. Merci parce que nous capables d'annoncer parole jusqu'à ce qu'elle retourne encore, Seigneur. Aidez-nous chaque jour pour nous capables qu'on émission nous sur cette terre. Aidez-nous chaque jour pour nous capables d'être persévérants, fidèles, des mondes qui a porté flambeau l'évangile à haut. Avec nous, dirigez-nous, nous pas bonne pas dit, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci et merci encore une fois, chers frères et sœurs.
Merci parce que vous toujours étudiez ça avec nous. Merci parce que vous toujours partagez le son. Aidez-nous pour channel ça capable de grandir. Plus monde toujours capable de toucher de message ça. C'était Foy Ismaël chéri. Que bon Dieu bénisse.